Et na batata ba mama balandi ya ba sango ya Congo bino banso obomesana kolanda biso na etando ye pe bozangi sakate koloba atali loba moko mwa commentaire mwa makanisi et c'est ce qui est pour nous une question importante et nous vous saluons chaleureusement pour ça prete nzambe apambola bino na misala na volonté, na engagement, na makanisi, na ba remarque que vous ne cessez yako pesa biso na tango iso. Au moment où on dit le titre était réunion moko ya urgence. Et où tu ko salema kuna na wisdok na Namibi wapi mokonjwa ekolo akendeki na matanga ya président namibien oya zalaki na ebonga autaki kokufa na sima ya liwa na ye ebote mpe makambo kile kile aloba kendeki kuna ko kolela ye zalaki ancien président de la République même Joseph Kabila a pu assister à ce deuil mais retenons qu'il a évité dans un deuil public batunyo so batondi. Il a raté encore son occasion par la phobie, par la honte, je me demande. Il y a l'ancien président congolais et le président en fonction de la République démocratique du Congo, Bangonyo Sonamatanga, ou à Vandikouana, ou à Vandikouana. Par respect, c'est celui qui a quitté qui doit venir vers. Ou à en fonction, puisque ou à la qualité officielle. Yo y est en titre posthume, puisque Zalaka déjà en fonction ouana. Et devant le public, tout le monde regardait, ne serait-ce poignée de main, salutation. Mais comme d'habitude, c'est le diplômé de l'université à Kara et il a manqué l'occasion encore d'être un enfant éduqué. Il a démontré toute son impolitesse et mal-éducation en public et devant ce public qui sont venus na esika wana. Mais na lingina pe sabino nanu aperçu ya makambo kili kili oye salami moko mwa dimanche avant to kine na actualité na biso puisque tolobaka chaque jour ete bino na biso tokabolaka makanisi de ce qui concerne la politique. Non seulement ce qui concerne la politique mais également pour permettre à ce que bandeko ba kokota en contact à travers nous na émission ba kindeko ye ba l'actualité de manière générale. Et dans la ligne de mire, le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Une société, Direction générale d'Observatoire de surveillance et corruption de l'éthique professionnelle, monsieur Auguste Mwenambali, est poursuivi par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour détournement de plusieurs millions de dollars. Et là, Konaza Koloba, il y a un acte. Parce que souvent, ceux qui me sont toutes informations, il y a un mandat de comparution que je peux vous lire. Nous, Mathieu Mateso Kamango, avocat général et officier du ministère public et peut la cour d'appel de Kinshasa Gombe, mandons à M. Auguste Mwenambali, domicilé au numéro 2 de l'avenue Mukwala, quartier Mbango, dans la commune de Ngaliema, de comparaître devant nous à notre cabinet de Kinshasa Gombe, place de l'indépendance, troisième niveau, cabinet numéro 3, ce mardi 27 février 2024 à 11h précises, pour y être attendu sur les faits infractionnels lui imputés. Nous lui faisons savoir que faute de ces faits, il sera contré conformément à la loi. En effet, nous avons signé le présent mandat fait à Kinshasa à notre cabinet le 23 février 2024, l'officier du ministère public, M. Mateso Kamango, avocat général. Ah, diffamation, imputation, exacté, ce n'est qu'un acte. Biso tolingi justice sur Mokonjaloba qui est malade et bique. Nakobi kezateka bobengi moto lobe azongi. Bengi moto lobe azongi. Là, c'est un élément important. De la réunion dont sera notre question deuxième après présentation à différentes actualités,
Il s'est tenu le 25 février 2024 à Windhoek, à marge des obstacles du président namibien Hage Geingob. À Windhoek, en Namibie, il y a le président Tshisekedi qui participe dans une réunion de pays de la SADC élargie au Burundi en marge du deuil. Au monde Batwake Matanga, Kinzonze Salami Pembeni, il y a nécessité et urgence. Et souvent cette phrase arrive, Tango Bazoko Luka, ko décidé sur question, ba ordonnance, comme on a vu la nécessité et l'urgence. Toya ki matanga me, ya ya to benda na pembeni, to solo la. Le ministère des Finances informe au public qu'il a mis en place un logiciel de demande de plaques d'immatriculation des véhicules. Ce logiciel permettra aux requérants de soumettre leur dossier en ligne, de payer sans besoin de faire un déplacement à et c'est à partir du 1er mars. Batunyo sosombi mutukana, moi je vais vous dire que le cambouya plaque na kisasa to kombo beta 6 mois 4 mois aussi au futa surtout biso to za la kaba intermédiaire, soit quelqu'un qui vous fait confiance, il est passé par votre cabinet, il est passé par vous pour ozwe la plaque asa pesi ombongo aussi au kende ki na DGI au futi au ko ça la paix 3 mois 4 mois plaque bimakate. De l'autre côté ya bandi na oppression au escroquer ngambongo au lien gambongo, puisque l'internet évolue, technologie zo évolue, botambo la pena bamboka batunyo sondenge bango pe bako essayer ko orienter makambo na bango pour mettre de telles pratiques. Ça nous demandait quoi à partir ya ndaku nanga na koti na computer tout ça na sali demande na tie numéro châssis na tie numéro ya boyer na tie dossier ya boyer si ma côté loko ya bongo na kamati na tie. Et qu'est-ce que je fais? Je prends na futi na zuna koti si carte nanga peut-être ya prepayer ya banque ou dans l'indication on peut entrer dans les notes de perception à DGRAD ou DGI sauf erreur de ma part, il y a DGI notamment, vous payez ou gardez ba bodero na yo, peut-être vous pouvez passer que na bureau à livraison avec deux pièces à l'appui au qui retirer plaque na yo. Vous allez nous couper les cours ba tralala nyoso bolinga ko faire marcher biso bandeko. Alors, ça c'est un élément important, comme je vous ai dit, dans la nécessité. Le président Cyril Ramaphosa a rencontré aujourd'hui les Namibiens, le président Tshisekedi, le président Evariste Ndayishimiye du Burundi, le président Lazarisu Chakwera du Malawi. Cette réunion s'inscrit dans le prolongement des engagements entre chefs d'État Kiaï liés à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. Compte tenu de la situation de l'Est, vit la nécessité et l'urgence. Alors, je voudrais aller avec vous également dans le même contexte. Yakuluka koyeba eloko tozo kuluka kokanisa awa mena lingina tangela bino loko ya mibale et puis to sisi tokei na makambo matali biso. Napoto na Bruxelles, topesi ba Congolais, nyoso ba mama, ba tata, mbot, pelungunya, mokakoswa, mosala kibino, mokura weekend ote kore kasaba. Marche contre la guerre dans l'est de la RDC. Ça, c'est ce qui s'est passé à Bruxelles. Et un grand frère qui était là dans la marche, ça a réagi. Au lieu de recevoir et écouter, ils ont décidé de disperser à coups de gaz lacrymogène. Nous n'avons pas pu déposer notre mémo. Nous avons été dispersés par les forces de l'ordre belge. Au coup de gaz lacrymogène a témoigné samedi après de l'ACP, M. Jean-Claude Ngongo, un militant congolais de droits de l'homme qui a participé à la marche organisée samedi à Bruxelles, en Belgique, contre la complicité de la communauté internationale dans le massacre des civils de la République démocratique du Congo. J'aurais voulu juste corriger un fait. Dans le massacre de Congolais, qu'on appelle aujourd'hui le génocide congolais.
officiellement, on a répertorié 5,4 millions de morts, soit 5,4 millions personnes. Ça, c'est répertorié. Les non répertoriés et des fosses communes non anonymes, nous avoisinons depuis le début du conflit 11 millions de morts d'entre les Congolais qui sont tombés de ce conflit. Ça, c'est très important qu'il y a à soutenir et à le témoigner. Il y a la situation humanitaire qui est précaire dans le camp de Lushagala, au Nord Kivu. Les jeunes filles de différentes universités qui sont venues au chevet des déplacés. Notamment, elles préparent des beignets, la bouillie pour nourrir au moins 500 enfants. 500 enfants et parents, nous invitons tout le monde à aider les déplacés avec ce qu'il a. On doit apprendre à compter sur nous-mêmes. Nous avons l'impression que Kinshasa, c'est un autre monde. C'est pourquoi j'ai lu ce communiqué. Bandekola biso na Kinshasa. Ngai na se réserva kana ba organisation oyo, il faut mbongo eleka par moi. Naturellement, tant qu'avocat et autres, j'aime pas entrer au contact na mbongo na maboko. Mais je peux lancer une idée et on peut fusionner, organiser ça. J'avais proposé à maman Denise, maman Nabisso, par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, on peut maintenant organiser des cantines publiques et populaires dans les rompes, dans les acteurs, dans les supermarchés partout. On met un petit poignet à l'entrée des supermarchés. Ceux qui veulent acheter, ils ont mis en aide. Dans la déplacer dans la situation basée à Goma, vous voulez acheter vos histoires, vous laissez $1, vous laissez 500 francs, c'est moi qui l'ai dit, hein? Vous laissez 1000 francs, vous laissez $10. Nous pouvons nous organiser puisque Goma semble dire que Kinshasa n'agit pas de manière volontaire. Quand je dis Kinshasa, pas le gouvernement, il va dividir, Ngaïnaïo, Otoaba officiel, te. Nenitoko Sangisa, Yabiso Barufaranga. Mpona kupusa na pembeni ya bana mambre oba kukemba kuna na est et cela est une question d'une grande importance. Alors, il y a aussi la réaction du président de la République na Namibie qui a dit, ça c'est dans la ligne d'actualité, l'agression dans l'est, le président Tshisekedi appelle des sanctions plus dissuasives des IS à la contre du Rwanda. Au lieu de dire tout simplement que nous n'apportons pas notre aide militaire aux Rwandais, il faille aussi les dire combien nous devons sanctionner le Rwanda de manière forte et exemplaire, souligne le président de la République démocratique du Congo. Une autre question d'actualité qui talonne nos esprits, c'est ce qui nous paraît de manière ouverte, une agression qualifiée et teintée de crimes économiques sans précédent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Laquelle dénonciation est à Moussala et à la société civile Yamasisi, Mpea Nurangongo, ainsi que ceux de Rutshuru qui en ont contribué pour dire. Mais néanmoins, plus la société civile de Nurangongo qui est montée au créneau. Des tonnes de minerais emballés en colis évacués vers le Rwanda. La société civile locale alerte sur la série de pillages de minerais congolais. La société civile de Masisi, qui a alerté ce samedi 24 février, dans un communiqué sur l'exploitation des trafics de minerais de Rubaya par les M23 et Urdief. Plusieurs tonnes de minerais, notamment le coltan, sont en train d'être évacuées nuitamment dans la région de Rubaya, vers la cité de Mushaki. Après la réception de ces minéraux, les M23 utilisent les véhicules de renfort autour comme au moyen de transport de ces minéraux, en passant par Kaoussa, Kiloluire, Kichanga, pour citer principalement dans la cité de Bunagana, où les comptoirs clandestins sont installés avant de transiter vers le Rwanda. Alerte, Telesford, Mitondeke, président de la société civile de Masisi. Il y a une semaine, j'avais expliqué la nouvelle route tracée par le M23 pour piller les ressources naturelles de la RDC vers les pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda.
Cette rébellion ne prendra pas la colline minière de Rubaya. Elle va encercler et faire l'exploitation en utilisant les communautés autour. Plusieurs experts avaient appelé à la fermeture de l'exploitation de minerais de Rubaya. Ça, c'est l'idée et cet élément. Mais il faut d'abord que je ne développe pas un mot. Rubaya est sous contrôle de la FRDC. La colline et la cité de Bissounsou de Rubaya est contrôlée par les FARDC. Mais laquelle mine Ozala qui est abandonnée par Mwanga Tchoutchou, qui l'a dit confier à l'État, et l'État n'a pas encore organisé de manière formelle Naba exploitant dans ces domaines avec des accords qu'il faille, pour exploiter coltan Nakatia Rubaya. Maintenant, le fait que les alentours de la cité terroristes basak occupent certaines localités, ils collaborent avec la communauté locale, donc les Congolais, qui exploitent artisanalement na maboko et collectent na bango puisqu'ils doivent survivre. Bako kamatango sko basak côté ka à bon marché, donc à vil prix pour na survivre puisque le territoire et la cité est enclavé, sorti na ya okenda kotoyo. Kokoso mpora ko kenda ko kende tira ko mana goma poya ko bima kote ya sake koko il y a beaucoup de d'acclobatie puisque la zone est une grande partie occupée par des terroristes, ça pose réellement problème et baza ko cheminer ko minero ana ko kende et la société civile ne cesse d'appeler à l'État et aux autorités militaires qui sont à Rubaya ko kanga colline pe zone wana ya exploitation minière. Ça, c'est un pillage systématiquement organisé. Et vous devez connaître aussi les fonds de cette guerre. N'a rien d'autre que l'exploitation des minerais et le pillage de nos ressources organisées par le Rwanda. Nde omonaki à l'Union européenne, à Kimimbangu na Rwanda, pour la kokende ko signé ba protocole na ba accord ya exploitation et transformation, puisque c'est vers l'Union européenne que ces minerais là vont. Nde yango baza kokende. Alors, qui est maintenant des sanctions économiques américaines auprès de ces différentes sociétés qui opèrent, qui ont installé le comptoir en Bounagana, qui ont installé des comptoirs au Rwanda? Nous avons une ambassade na Rwanda. Et l'ambassade n'est pas là pour faire fallacieusement une sorte de représentation sans activité. Ils ont la possibilité à Koyeba, ba société et yaba expatrié nyonso minière ou ezana ba comptoir peut s'installer na Rwanda et tenter de faire un combat diplomatiquement de plaidoyer pour sanctionner ces entreprises wana bazako somba le minerai du sang. Na processus ya Kimberley. Est-ce qu'il n'a pas été démontré beaucoup de documents où ils allaient qui signaient pour la consomme diamant de santé? Et comment on sanctionne lorsqu'il y a une zone en conflit et des minéraux qui parviennent de cette zone en conflit ou à Pibatouba, Koukoufobé, Boum Taba, Bounyama, bah sanctionne ni Nesengue les allaient suivre? Je crois, sur le champ diplomatique, Zana Motindo, Yakobenga et Teto élargir notre démarche en abysso diplomatique qui peuvent aller au-delà même des multinationales qui ont des comptoirs à Burundi, qui ont des comptoirs en Ouganda, qui ont des comptoirs au Rwanda et qui entrent par leur billet pour acheter en installant des sous-traitants à Bounagana, puisque Kagame l'a dit, que Ekoko transité Bepanae et que Emirates, Wolo, Kassiterite, Zeng, Malakit, Babiloko, Motindo, Motindo, Eko Kendana Bapiwana. Alors il y a lié que nous nous battions pour obtenir une sanction à l'endroit de la société en Bazako Sombre. Pour ceux qui ont frappé, vous vous souviendrez que du point de vue à quoi affaiblir, bas contrat, bas accord, bas exploitation contre le respect des droits en République démocratique du Congo, l'économie américaine est frappée par Dan Gettler. Binonyo sobozo e baba sanction ba frapaka badan Gettler ba frapaka yumo azalaka na de na fake azalaki pe na ni na jekamin ba frappa beaucoup d'opérateurs économiques miniers awa sous le temps de Kabila. Mana qui sont ceux qui ba grands opérateurs dans le domaine ya secteur économique minier ou bazako exploiter réellement et profondément
minéré la République démocratique du Congo dans la question qui est sous examen. C'est cela aussi une importance. Il y a des marches na biso. Ce qui va société na baza ko pesa misolo na ko somba minéré et ben mbongo wana siko ko pesa bango mligisa ba somba manduki, ba somba masasi, ba luka ba drone, ba équipe pe kolisa, ba troupe na bango puisque la guerre ça demande beaucoup d'argent. Nourrir une troupe en brousse, eza kwa moto azui bato, asomba matériel ake ko chumbo la libulu ya diamant na visa okasa e quand on grandissait et moto ake ko chumbo lisa diamant. Il a la charge de nourrir, d'entretenir l'équipe à Bakrezer, Maekuna Nazambo. Et c'est comme une carrière. Et c'est comme un front. Un front, ça coûte. Et sans cette exploitation illicite des minéraux, ce front-là va leur être une difficulté. Nous exhortons le gouvernement à mener à bon point des frappes économiques et des sanctions ciblées à l'endroit des opérateurs économiques, tant on peut obtenir pour Mo Ibrahim. On peut obtenir pour George Soros. On sait que dans la plupart de tout ce qui est exploitable de l'autre côté, vont dans les différentes sociétés de Mo Ibrahim, qui est l'homme de Kagame, l'homme du Rwanda. Et qui ne cesse plus à se cacher, négligeant et menant contre offensive économique, pour n'abattre pas au Koya Koulouka pour investir dans la République démocratique du Congo. Ils ne doivent pas venir puisque leur allié et collaborateur dans la mafiosie, qui est Katumbi et Kagame, sont en difficulté de leur projet. J'espère que ce n'est qu'une idée. On a kende qui kotia yango dans ma canisse en contribution. Avant tout, analyser question abisso et à fond sur laquelle les réunions qui a été tenue. Nanani na Namibie na Windhoek pour que tokende ko kanisa. En tout cas, nalingira tangira bino tweet oyo. Na kutia estre ya tata cardinal wa episco wa église catholique que les gens remarqueront qu'on a toujours été, surtout moi-même, je parle pas en moi, j'ai toujours été critique avec des mots durs, impitoyables à l'endroit du cardinal de Kinshasa, le cardinal Ambongo, mais je n'ai jamais été contre lui. C'est mon attitude vis-à-vis de ce que je qualifie sa position qui était toutefois teintée et prendre à effet et cause Nangambo Mokoboy. Les autres cardinal a sali misa, tout n'a congolais n'a pas sepeli na misa wanate. Attends, yo moto moi catholique te, pour n'ali kimbangiste. Est-ce que n'a sepeli na misa wanate attaque n'a la sali les autres? Tata cardinal lelo a sali misa, a piololi, a totoli, a beti, conseil de sécurité, communauté internationale, face à leur opacité, léthargie, inefficacité, des poids, des mesures, au bazar kosala. Puisque tata cardinal a vendu à moni, ba député belge, mindele. Ba piololi mindele ba ninga na bango ba député européen ba piololi mindele ba ninga na bango abi bongo ngai awa na vanda kapé au cadre ya église catholique pe mo konzi monene ya église catholique romaine ou ka église ya ba mindele bongo ngana piolola ke be tshisekedi tout beta ke be sete ngambo mosusu ça nous disons merci na tata canal pa beti merci oyo ba congolais ba zelaka. Et quelqu'un me dira, mais toi, l'obé, à ces pélis, à comment si tu sais qu'il dit, mais l'obé, le Congo, nous ne l'avons jamais engagé ou demandé que Tata Kanala Zala Sima, Tata Mokonjo Ekolo, Azalande Sima, Lingomba la catholique, mais quand tu le prends position, Azoué Angobe Lokwa Lingomba, Amonaka Mabe Bengambo Mokote, Amona Ngambo Mosusu, Amona Kote Nyonso, Piazwa, situation est faite cause ya bandimi banso, oba konyo kwama, namba toba konyo kolele bandimi, yali mindele, oba memere église wana ya kote ilaka. À son tour, l'église catholique dénonce le silence de la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Voilà. Le silence. L'inaction de la communauté internationale frise nettement la complicité. En effet, il est inconcevable qu'avec les moyens dont elle dispose, la puissante Organisation des Nations Unies ait échoué à rétablir la paix dans notre pays, déclare Tata Cardinal Fridolin Ambongo. Alors, ma belle wapi. Tata cardinal a beti ba mot juste, ba mot vrai,
bamo réel ou yali si ma pe apse wane senge to boka po to fine bima ba ni kapota so ba te ango ki sebe moto akubika po yali nganga nzambe mindelo ya yo wana u ba nomaki yo kardinal nde ba doki mpe nde ba bomi ya makambo e yali koleka hein ça c'est un élément important. Totali koto ndeko ka katumbi abimi auti na bal mazembalagi qualifier lobby pour la kendela le kambeta Ligue des Champions atiki bal il s'apprend au très compétent administrateur général ya ANR Lazare Lusadisu na ministre intérieur Peter Kazadi nde bango baza ko bloquer mazembe kendeli bosote ah tata na ebite ba bloquer ango na motindo nini pas que bloqué en gonéni pour un survol. Puisqu'on sait qu'il y a un avion à Mazembe, il n'y avait qu'un seul avion pour Mazembe, tu as déjà vendu. Au dégât qu'il y a un Afrique du Sud. Et Mazembe n'a plus d'avion. Survol, ça veut dire quoi? J'ai tout à l'heure, il y a un survol à Mazembe. Où vous confondez votre vie d'acteur politique et l'équipe de football Mazembe? Qu'est-ce que le gouvernement a à voir avec Mazembe? Ça veut dire quoi? Hein? Sache que Mazembe a existé avant que toi tu sois venu au Congo. Avant que tu sois venu au Congo, Mazembe exista. Et tu n'es pas le créateur de Mazembe, tu n'es même pas le propriétaire de Mazembe. Il faut retenir ça, les documents existent et l'histoire est étie. Toi tu peux résumer, Makambo Malobi, Tata Cardinal, Penako Sukisa. Nako Sukisa. Ce qu'on a dossier tozo koluka kolobela yangoyo bande kurangai lelo tata mokonzo kola kende ki matanga tanga na Namibi atanga pona kunda president Gog oyazalaki president Namibi autai kuwa bakutani sikoyo na president Malawi puisque president Malawi pour vous ajouter et aussi contributeur et à force au Koya na République démocratique du Congo. Les pays qui avons accepté d'envoyer des troupes dans le cadre de la SADC, il s'agit donc de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Malawi. Jusqu'à présent, Malawi a tinda kina nouba contingent na été na République démocratique du Congo. Il y avait une question de moyens, de logistique, pour la mise en place et à déplacement à ma force malawite awa et ba malawite ba si ba yakape na cadre kaka ya SADC na tain ya musée pour na quoi prier biso face à l'agression du Rwanda de l'époque où ils allaient déclencher na 98 na bazarias oyo et quand Malawi viendra le faire c'est encore pour une seconde fois Botswana atinda kape. Et à ce temps, Namibie peut atteindre Dakar. Et ce sont deux pays qui ne se sont jamais réservés Yakoya au chevet à la République démocratique du Congo face à des besoins militaires, d'agression ou d'autres cadres qu'il y a. Nous traitons avec, jusqu'à preuve le contraire, la relation Oyali Malam. Maintenant, comme Malawi, il faut atteindre Basoda. Afrique du Sud a atteindre. Président Félix, tout le monde est permanent, c'est son sol, c'est lui qui a le droit à Kokenda. Ce qui s'est fait, va élargir réunion à na Burundi, qui est aussi en démarche, puisque à Lungwa qui déjà dans le cadre y a ces pays, Burundi est à la porte, il y a demande na epona ko intégrer ba parti membre y a SADC. Et là, c'est la démarche que le Congo également a appuyé à adhésion un peu côte par Yassaya Burundi na kati ya SADC. Ako mangambo kuna mpo ba kesana baka bwana en tout cas, merci. Pona ekende kuna na yoki yango bwa vida. Certainement, merci et que Dieu vous bénisse pour ce 20 euros
il faille à ce que tu organises, parce que je vais parler avec la coordination de la chaîne, pour qu'on organise, la chaîne peut s'en charger. La chaîne peut s'en charger, nous on peut continuer à appeler, à mobiliser, qu'on récolte un certain nombre de montants, et qu'on a la geste et abisso sangwa Congo, puisqu'on est très suivi à Goma, très suivi à Bunagana et dans les zones occupées. Kitenge a une sorte de popularité kuna po boyebi aussi, je vous rappelle, na botama kuna et na kola kuna baningo ba na jinangai ne bazana ba katia ba wazalendo na bazana katia ba FRDC, ils sont des colonels et tout ça, ce sont des amis qu'on a grandi ensemble et je respecte vraiment ndenge makambo boko sala et mbote na matadi na bino nyoso. Nde bake ko sangisa bite Burundi pe azala na kati. Bake ko évaluer du point de vue financier. Soki ba déployer l'arsenal, l'armada, na ajouter les sous na bosana ki na maloba, mais je l'ai dit dans le titre, Cyril Ramaphosa, donc le président sud-africain, président malawite, président burundais bangonyo so mine bake ko kuta na kuna pona ko solola na likambo. L'Italie, agression et la République démocratique du Congo, Oyo Burundi déjà troupes zawa, Afrique du Sud troupes zawa, Tanzanie troupes zawa, Malawi des troupes zakoya, mais comme troupes zakoya, il faut y passer à la ben, il y a opération, il y a action, Oyo kosa la mener, ça saibi na ex, pour na coller les girafes. Ne baké ba ebisi mais habitala biso to sito tie boy. Ta biso to sito tie boy, to sito déployé boy. Plan ezali boy, na koloba boy boy puisque na koloba plan militaire té. Et puis na pe soldat té. Na assista kapé na stratégie na ba réunion militaire té, même si j'assistais. Na kuya lokola matéria tongo tongo té na koloba. Tala siko basala ki bo wana de, c'est pas ça. Na lika quand même matin moi minute mouken armée, je sais que un plan militaire demeure toujours secret défense au gouvernement ngwa baté. Na pe moko ya ba expert ya makambo batu ba ebi moi ki soldat moi ndambo. Na kuya na ngo bongote po bo pesa munguna déjà position, bo pesa munguna moi makanisi boye moko banda ukanisa té. Wana té. Wana té. Merci bande koranga boza telme belé un longi lotiso mère be ya Dieu donné bino nyoso Jésus Eduardo tutangilai bino nyoso boze belé mbote na bino merci longunya mpo boko landa makambo to koloba na si sana makaniswana. Dans ce contexte voilà comment on a discuté d'abord du budget du coup puisque qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut préparer la guerre, engage le moyen. Qui veut engager le moyen, prépare son peuple. Or, niveau ya préparation ya peuple, wana kutuna kolobata malobami balite. Congolais nyoso, pour le moment 90%, pour ne pas parler des indécis, baza d'accord. Ah oui. Yangondo kaki sorti médiatique ya tata mokonzo wa ekolo, qui voulait retarder récemment, a eko comprendre, on a quoi toute la conscience, il y a peuple Nangaï, n'a pas perdre soutien populaire, puisque ligne de mire, il y a force Nangaï, il y a ce qu'il dit, peuple, base. Quand je dis base, ce n'est pas IDP, je parle le Congolais. Tout ça, base populaire. Et c'est ce que nous avons toujours appelé la majorité populaire. Ba non élu. Tout ça, belle que les 5 sont qui ont parlé du peuple en Aringwala. Na motindo wana ye aza kovanda aza ko réfléchir et se dit na ko perdre peuple ote moralement peuple est d'accord oya gom oya Bukavu kasiza likambo mosusu peuple est d'accord mais faut moyen toi déjà na manduki ya boy toi déjà na ba avion ya boy toi déjà na masasi ya boy toi déjà na ba frappe ya boy. Na mutindo wana et ko permettre to surprendre munguna mais oyo moninga zo ya pe ko aider biso azalaki en retard pour troupe ne komina nu kisasa te troupe ne komina nu goma te terrain il faut nan to briefer ne président Fachi président burundais président Ramaphosa banina nu ko tiasko président Malawi na ta ya makambo za na terrain parce qu'il y a za na mais donc za bongo. Ah, donc ça bon doko situka. Mama na lokito. Ya tout roezali sous révélation te. Beaucoup de gens ont pensé que Tata Fachi
Uta lobaga na tango ya kampanya abit. Ah, so na ingina frappe girafe. Na ukiko betele ya partiri ya Goma. Badoso wabia apesa ki munguna deja bon de passe. Pour savoir comment la frappe sera organisée. Cette fois-ci, phrase de Zakaka surprise. Dans la plus grande discrétion, des frappes et que Salem. Botali ba déclaration ya bande kontuti. Oba marcha ki awa ki holela. Et ils se sont confiés na presse pour na ba déclaration na motindo ba sepelaki. Il faut noter trois choses na kati ya démarche na bango. Le fait que conflit y a agression oyo plus de 80% ya bande kontuti bangonyo so baza na M23 mpe ba ba sous-traitant ya Rwanda sont restés silencieux. Consensuel na bango, ne dénonçant rien, ne parlant de rien contre. Ceci veut dire que bazalaki ko consentir, ils étaient dans le coup, dans les programmes. Pourquoi ba déclarer deuxième élément? Puisque plan na bango, boulo ba ne ko kan, faso ba ba ne ko tia makanisike ko salema, e beti poto. Sko ba beti plan B, de manière générale, nous l'avons dit au début de ces conflits, que si un peuple ou une ethnie, une communauté veut se faire respecter ou s'intégrer auprès des autres qui l'entourent, attention de t'imposer par les armes, tu ne te feras pas respecter ni aimer puisque tu as pris les armes. Les Congolais aiment tout ce qui est doux, discutable et de valeurs réciproques, les Congolais t'acceptent. On est un peuple accueillant, hospitalier, ouvert à tous. Tous ceux qui se sont intégrés à Kinshasa, Bawara, ba Nigérian, ba Libanais, ba Indiens, aujourd'hui on a même des Chinois, vivent en liberté et en symbiose. Ba kobotana ba na toali na babata rebelle ya ba communauté étrangère. Et ça ne pose pas problème. Lorsque vous voulez vous victimisez et vous ne voulez pas vous approcher des autres, vous voulez plaire à tout moment comme si votre situation déjà chaotique et les autres ethnies autour du Nord qui vous bango baza aux anges, c'est une erreur, vous allez les regretter. Troisième aspect aux alliés repentis na bango, actif mais tardif, c'est de voir que le plan de créer cette république dont le bénéfice de tous y régneront à maître est en train de prendre son échec croissant. Ils ont échoué en mille morceaux. Par le fait, maintenant, on parle d'M23 rénové. On parle d'M23 tout court. Et les autres, déjà dans le même mouvement, sentent que Binounio Sobosa va rebelle. Binounio Sobosa, le mouvement M23, Mokokuta Baobaza, ba origine rwandaise, tente de se tirer la part de la poire de la bête. Autrement, au détriment des autres qui font partie du même mouvement, mais baza ba etini tout cité. Est-ce que vous pouvez faire un mouvement du 23 mars na baoutou na kati? Pouvez-vous faire un mouvement du 23 mars na baounde, na barega, baavu, babemba, lendande et tout ce que je peux vous dire encore? Et les autres se trouvent déjà à Tanabilo Kwakolia. Bino bakopé saboye, bino bakopé sabokomona Rwanda zoli à biscuit, Rwanda zoli à sardine et dans les conforts. Vous les autres Congolais, c'est une atosa la grade, l'ali libanda au tandi kapo, y'a koti na kaban dans les conditions. So ki ba otambola na bajipo aux autres à Rwanda, na kuna na kabine à sécurité, le Rwandais na kovanda kuna, les Congolais komata na carrosserie, na sima, na moi. Alors, vous sentez que c'est deux poids, deux mesures et les Congolais comprennent déjà. Donc, c'est-à-dire, vous avez créé des bases de l'échec de votre propre combat et ce combat n'aboutira à rien, sauf le jour où vous avez humilité dans Mitou. Et vous comprenez que ce pays, le Congo, nous a tout donné, a fait de nous ce que nous sommes et nous devons lui être fidèles. Maintenant, on dit, oh non, nous n'avons pas, nous n'avons pas choisi Kagame comme notre porte-parole pour nous protéger, pour nous sécuriser. C'est le président congolais qui va nous sécuriser. Nous demandons protection, protection. Quelle protection? C'est vous qui insécurisez, vous cherchez à qui vous protégez. C'est vous qui insécurisez, qui tuez les autres tribus.
Vous avez des armes pour vous protéger. Demander protection ne demande pas n'ayant une arme à main. Tu as une arme et tu dis je demande protection, puis tu as une arme. Je demande protection, puis tu tues ton voisin. Je demande protection et puis tu prends le minerai de ton pays, tu vas le mettre au pied de Kagame. Je demande protection et puis tu es solidaire avec le Rwanda, n'importe quoi. Hypocrisie, poudre aux yeux. Donc, mes chers compatriotes, Tola Muka, Tofongola, Misuma Bisso, Lolenge di Sengeli. La réunion qui a été tenue et qui s'est faite, c'est une haute stratégie. Et maintenant, vous allez voir la Malawi qui était en train de traîner. Ses troupes seront bel et bel là. Et bientôt, la surprise est grande. J'ai discuté beaucoup avec nos frères au front. Et j'ai aimé le communiquer à ce sac et à Christian Bossembe autour des analyses et des combats qu'il y a dans la guerre. Restons moins, au moins pédagogiques et n'entrons pas dans tout ce qui déstabilise, dans tout ce qui dévoile le plan et la stratégie militaire mise en place face à l'ennemi. Nous pouvons essayer de faire des émissions comme les lits de l'ennemi. Ça, je ne souhaite pas. Et ça, je n'encourage à personne. Bon, c'est un conseil entre nous qui communiquons et qui analysons la situation de l'Est. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Nous ne décidons jamais souvent vous étiez dans le droit et vous avez ce besoin de connaître la situation à temps réel pour la partie Est. Il faut noter que la troupe de la MONUSCO se félicite de cet assaut de ce week-end qui ont frappé et endeuillé la troupe rwandaise qui ont pour une même fois tenté de contrôler Sake, et ça a été un échec, et des cadavres se lancent. Vive Sake, vive Goma, la victoire est pour la patrie, la victoire est pour nous tous. Au revoir, et salutations à la grosse coupure, à Emmanuel pour la technique, et à tous ceux qui aimeront et qui auront aussi à partager cette vidéo dans toutes les plateformes en ligne. Au revoir.